الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نديروا واحد المراجعة حول المعلم لو روبير، ونديروا فيه العناصر الأسئلة، أسئلة ديال لو روبير، ديتيرميني لي كوردوني دان فيكتور AB، كالكولي لا ديستانس AB، ديتيرميني لي كوردوني دو بوان M لو ميليو دو BC. Troisièmement, déterminer l'équation de la droite AB. Quatrièmement, soit T, la translation de vecteur AC. Construire le dans le repère OIJ. Construire le repère OIJ, puis placer les points A, B, C et D. Et D, l'image de B par la translation de vecteur AC. Déterminer l'équation de la droite CD. Donc voilà l'énoncé du problème. Bon, on veut, première question, nous avons A. A a pour coordonnées 3, 1. B a pour coordonnées 1, moins 1. Et C a pour coordonnées 2, 3. Premièrement, déterminons les coordonnées de AB. AB a pour coordonnées. Alors, la règle, c'est XB moins XA et YB moins YA. Je remplace maintenant AB a pour coordonnées. XB, c'est 1, moins XA, c'est 3, YB, c'est moins 1, moins YA, c'est moins 1. Alors, AB plutôt moins 1. AB a pour coordonnées 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 1, c'est moins 2. Donc, voilà pour les coordonnées du vecteur AB. Puis, calculer la distance AB. Alors, la distance AB, elle est égale, on écrit la distance sans la flèche. Voilà, c'est la longueur du segment AB. Elle est égale à la racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré, qui est égale à 4, racine de 4 plus 4 est égale à racine de 8. Donc voilà la distance entre A et B, sa racine de 8. Bon, deuxième question. Alors, deuxième question, on a dit AB a pour coordonnées combien? On a moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. On vérifie, 1 moins 3, c'est moins 2, moins 1, c'est moins 2, c'est ça. Et la distance, on a trouvé racine de 8, ça fait rien. Alors, déterminons les coordonnées du point M, le milieu de BC. Deuxième question, M, milieu de BC. Voilà le milieu de BC, c'est M. Alors, les coordonnées de M sont XB plus XC sur 2 et YB plus YC sur 2. Je remplace M a pour coordonnées XB c'est 1 plus XC c'est 2 sur 2. YB c'est moins 1 plus YC plus 3 sur 2. M a pour coordonnées 3 demi et 2 demi c'est 1. Donc voilà pour le milieu de BC. Troisième question, déterminer l'équation de la droite AB. Alors, troisième question, l'équation de AB. Bon, pour déterminer l'équation de la droite, premièrement, on nomme l'équation de la droite. On dit soit Y égale MX plus P, l'équation réduite
l'équation réduite de AB. Donc, on a nommé l'équation. Maintenant, on va déterminer M. M à quoi est égal? M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Voilà la règle pour déterminer le coefficient directeur de la droite. Je remplace YB, c'est moins 1. Moins YA, c'est moins 1. Sur XB, 1. Moins XA, 3, égale moins 1, moins 1, c'est moins 2. 1, moins 3, c'est moins 2. Donc, est égal à 1. Donc, l'équation devient, donc, l'équation de AB devient Y égale 1X, c'est X, plus P. Là, le 1, on ne l'écrit pas, on laisse comme ça, x, c'est 1x. Donc maintenant, je détermine P. Alors, pour déterminer P, on va choisir un point, soit A, soit B. Donc, j'écris maintenant, puisque A qui a pour coordonnée 3, 1, appartient à AB. Alors, ces coordonnées-là vérifient cette équation, c'est-à-dire que YA égale XA plus P. YA, c'est 1, est égal à XA, 3, plus P. 1 moins 3 égale P, d'où moins 2 égale P. Donc, l'équation de AB est et Y égale X moins 2. Donc voilà l'équation de la droite AB. Je vais l'écrire conserver ici. Y égale X moins 2. Voilà l'équation de AB. Alors la question suivante, c'est la question suivante, soit T la translation de vecteur AC. Premièrement, construire le repère O et J, puis placer les points A, B, C et D. Ce qu'on voit D, c'est l'image de B par la translation T de AC. Donc, on va faire la figure. J'ai préparé un repère ici. Alors, je trace la droite AB. A a pour coordonnée 3, 1. Donc, voici le point A. Maintenant, B, c'est 1 moins 1. 1 moins 1. 1 moins 1. Là, c'est 3, 1. Donc, voilà le point B. Maintenant, je peux tracer la droite AB. Alors, je trace la droite AB. Voici la droite AB. Maintenant, on a dit que C a pour coordonnées 2, 3. 2, voilà 2. 1, 2 et 3. Voilà le point C. Alors, D est l'image de B par la translation de vecteur AC. Donc, la translation de vecteur AC, voilà. Donc, si je dis que B a pour image D par la translation de vecteur AC, ça veut dire que BD est égal à AC.
BD est égal au vecteur de la translation AC. Et BD égale AC, ça veut dire que BDCA est un parallélogramme. Donc voilà, je vais tracer la parallèle à AC passant par B. Et puis, comme ça, et puis je trace la parallèle à AB. Pourquoi? Parce que c'est un parallélogramme. Donc voilà où se trouve D. Alors, construit le père, image de B par la translation de vecteur AC. Cinquièmement, déterminer l'équation de la droite CD. CD. Elle est parallèle à AB. Alors, cinquième question, c'est ça? Cinquièmement, l'équation de CD, de la droite CD. On a C, mais on n'a pas D. Ça ne fait rien. On peut utiliser seulement C, puisque l'image de A, c'est C, l'image de B, c'est D. Alors, l'image de la droite AB, c'est la droite CD. Elles sont parallèles. On peut l'expliquer. On a A a pour image C, parce que c'est la translation de vecteur AC. Donc, l'image de A, c'est C, et de B, c'est D. Alors, AB est parallèle à CD. Donc, voilà, on a et l'image de AB, l'image de... Bon, alors, l'image de AB, c'est CD. D'où AB est parallèle à CD. Voilà pour montrer qu'elle est parallèle à CD. Ou bien, puisque BD est égal à AC, ça veut dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc, BD est parallèle à AC. On peut le faire aussi sans passer par ça. Alors, maintenant, on va déterminer l'équation de CD qui est parallèle à AB et qui passe par quel point? Par le point C. Voilà, le point C, on l'a. Alors, donc, je vais nommer l'équation. Soit Y égale 1'X, puisqu'on a tout à l'heure parlé de MX plus P. Maintenant, je change 1'X plus P'. Comment on détermine M'? Eh bien, puisque CD est parallèle à AB, alors ils ont le même coefficient directeur. M' est égal à M, et M, ici, de la droite AB, c'est 1. Alors, puisque CD est parallèle à AB, alors M' est égal à 1, même coefficient directeur. Voilà. Donc, l'équation devient Y égale X, 1X plus P'. Maintenant, on va choisir le point C, parce que D, on n'a pas le point D. Alors, puisque C, qui a pour coordonnées 2, 3, appartient à CD, alors YC est égal à XC plus P'.
C'est-à-dire que C vérifie cette équation-là. Donc, je vais remplacer YC par sa valeur, c'est 3. Voilà, 3 égale XC, c'est 2, plus P'. 3 moins 2 égale P'. 3 moins 2, c'est 1, égale P'. Donc, CD a pour équation Y égale X plus 1. Donc voilà pour l'équation de CD qui est l'image de AB par la translation de vecteur AB à AC. Voilà pour cette séance. À une autre séance, Inch'Allah. À bientôt.